faire ici. D'accord. Je peux pas supprimer ta race, c'est vraiment de la merde YouTube. En fait, Twitch c'était largement mieux. Qu'est-ce que je me casse le cul à faire ça ici, moi? C'est trop surcoté YouTube maintenant, c'est tellement de la merde. Bah ouais, je sais quoi. Bon, bah, message, t'es cool. Putain, mais réponds-moi! Ouais, frérot! Ouais, ça va! Ouais! Ah, tu m'as manqué! Tu m'entends bien avec le réseau? Ah, oh, bah oui, super! Et toi, tu m'entends bien? Ouais, super! Mais hier, parce qu'hier, j'avais pas trop de réseau! Ah bon? Oui. Et là, ça va le réseau? Ouais, ça va le réseau! Et toi? Et toi, tu. Quoi? Mieux que d'habitude! Ouais, ah ouais! Théo là, vas-y, viens me chercher! T'es où toi? Bah, ben, comme d'habitude! À l'hôpital? Oui! Ah ben, j'arrive! Ça va? Ah, faut que je raconte une histoire! Oui, vas-y! Ouais! Histoire, vas-y! Ouais! Ouais! Connard! Comme d'habitude, qui me sort encore à l'hôpital. Ouais, mon petit Stan! Ça va? Ça va, mon frérot? Ça va, super. Oh, bordel de cul, tu m'as trop manqué, mon frérot! Ah,
Tu veux faire un câlin, toi? Ouais. Allez, je te fais un petit câlin. Ouais, tu m'as manqué. Toi aussi, de faux. Ouais, merci. C'est ton véhicule, ça? Ouais. C'est trop bien, hein. C'est ton Tondro qui me l'a prêté, celui-là, encore. Regarde, t'as vu les beaux défecteurs qu'il a mis, là, sur... Ashton, faut que je te raconte l'histoire. Ouais. Vas-y, grappe. Vas-y, je te sais ce qu'on... Y'a un monsieur. Je l'ai croisé. Parce qu'il passait un coup de téléphone dans une cabine téléphonique, et puis... J'ai été voir s'il avait raccroché. Déjà, c'est pas bien. Déjà, d'espionner les gens qui téléphonent, déjà, c'est pas bien. Ah, j'espionne pas, mais... C'est parce que... les économies, hein. Économie enfin, de quoi, dans... Ben, du courant dans la ville, bordel. Enfin, d'accord, bref. D'accord. Oui, bref. Après ça, le monsieur, il me prend en guet-apens. Et il me dit, tu veux du travail et tout. Moi, je dis, ouais. Et il m'a dit, si tu vas me chercher, tu sais, les feuilles pour faire le Coca-Cola. Ben, c'est pas avec des feuilles qu'on fait du Coca-Cola, c'est avec la Soda Stream. T'es un malade, toi. T'as compris, toi. Oh, bordel. Ça commence bien. Ouais, bah en tout cas, il m'a peut-être baisé. T'as commencé mais... à picoler à quelle heure? Oh, bah j'ai pas arrêté, surtout depuis avant-hier. Oh, ça, c'est mon frère, ça. Eh, je suis pas bourré, hein, je suis bien, là. Ça se voit, comment tu conduis très bien. Ah, bah ouais. Alors, t'as mal là, c'est soudé. Ouais. Donc, et du coup, le monsieur m'a dit, si tu m'en ramènes 1000, je te ramène 10 000 euros. Alors moi, c'est beaucoup de bouteilles, ça. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh putain, les bouteilles que ça fait avec autant d'argent. En plus, tu vas Intermarché, c'est le deuxième pack à 50%. Ah putain. Imagine un peu tout ce qu'on pourrait boire. Eh ben, on a qu'à aller Intermarché. On dit, on prend que le deuxième qu'à 50%. Puis c'est et comme ça, c'est gratuit. Ben oui, on est pas. Ben non, c'est à 50% du coup. Ben, c'est presque gratuit. Hein. Tu sais, de la Heineken à 50%. Eh, et puis gratuit, c'est pas cher. C'est pas cher, hein. Ouais, gratuit, c'est pas cher. Et du coup, moi j'étais en chercher. Elle est longue ton histoire, bordel de merde. Ouais, du coup j'étais en chercher. Là, le monsieur m'a donné un rendez-vous à 22h30. Pour quoi faire? Pour qu'il me donne les sous. Mais les sous, pour quoi faire? Je comprends rien, moi. Pour le Coca-Cola. Mais pourquoi tu vas pas Lidl? Parce que moi je lui fais un tarot. Tu me parles de Coca, après tu me parles de jeu de cartes, je comprends plus rien. Mais t'es complètement défoncé, toi. Enfin, on verra bien. J'ai pas trop compris, mais on verra bien. Ouais, dans tous les cas, c'est plus que c'est. Donc, dans tous les cas, son argent, il se le fout au cul. Je veux pas d'argent, moi. Rien à foutre. L'argent, c'est pour les riches. Ouais. Moi, je veux plein d'hommes, plein de femmes. T'allais dire quoi? Non. Ah, j'ai rencontré la mort de ma vie au passage. Ah ouais, c'est qui? Elle s'appelle Jean-Mi. Jean-Michel. Elle s'appelle Jean-Mi. Ouais, elle s'appelle Jean-Michel, elle a une belle moustache. Bah après, je peux pas juger sur le prénom, hein. c'est pas très grave. Et les moustaches, c'est pas... On a le droit d'avoir une moustache, hein. J'en ai connu des femmes à barbe, je te le dis, moi. Oh ben, j'imagine. Et tu me la présentes, la gonzesse? C'est... Le monsieur m'a donné rendez-vous ici, là. À 22h30 pile. Je pense. Tu présentes la gonzesse ou pas? Tu veux, vas-y, je l'appelle. Elle a une voix comment? Plutôt sensuelle, plutôt. Oh, carrément sensuelle. Moi, chaque fois que juste il me parle, ça m'excite, quoi. Attends, je l'appelle. Ouais, mais tu sais que j'aime trop les femmes. Ça te dérange pas, moi, si je tombe amoureux? Oh, ça me dérange pas du tout. On fait un trouble, bisous. Oh, avec plaisir. Elle toque les yeux, ouais. Touche pas. Ouais, mon amour. Attends, je l'appelle. Ouais, mon amour. Ah non, je m'en appelle, pardon. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de conduire ma Formule 1. Je voudrais te présenter mon frère. Oh là là, c'est le grand jour, c'est le grand jour. Ouais. Ouais, je connais ça. Ouais, mais je veux faire une rencontre. T'es où? T'es où? On arrive! Je vais rencontrer la gonzesse de mon frérot, moi! Pour le moment, je peux pas. Désolé. Oh, t'es sérieux? Oh, toi! Oui, pour le moment, je peux pas. Quand je vais te voir, je vais te démolir le trou de balle, là, moi! Ouais, on parle pas comme ça aux dames, hein! Deux heures.
Dans 2 heures? Ouais, peut-être. Va te faire enculer! Je suis célibataire, Stan! C'est pas vrai! Je te jure! Comment ça se fait? Ah, ben là! Dis-moi! T'as pas envie, Voilà, c'est tout. Ben, c'est super, j'adore dialoguer avec toi! Ah, ben avec moi, c'est toujours intéressant! Mais comment ça se fait que t'es célibataire? T'allais me présenter la femme de ta vie, tu te voilà célibataire! Parce qu'elle peut me voir que dans 2 heures! Ah, j'ai pas le temps, moi! Oh là, on montrera jamais la côte. Elle fait quoi? Les policiers! Quoi? Ouais! Arrête-moi là, s'il te plaît! Ouais, je vais la quitter, c'est bon! Arrête-moi là! Je vais la quitter! Arrête-moi là, bordel! Au secours! Kidnap, au secours! C'est faux! Dis-moi! Oh, Stan! Ah ouais! Bonjour! Eh bien, bonjour, messieurs. Comment allez-vous, mon cher monsieur? Très bien, et vous? Dites-moi. J'adore vos godasses! Merci, c'est des mocassins. J'adore! Moi, j'ai mis des crocs! Ouais, j'aime. Ah, c'est. On est confortable! Je vous présente mon frère jumeau! Bonjour! Vous allez bien? Ça va, vous? Je suis son frère jumeau, je suis né 5 jours après lui. Avant ouais. lui. 5 jours avant moi. 5 jours quand même, il y a des années. Hein. Ouais, c'est l'aîné de 5 jours. C'est la latence, c'est parce que maman. Ça te regarde pas déjà. Ouais, la latence. Maman avait 200 de ping. Apparemment, oui. Qu'est-ce qu'il me faut? Vous travaillez à cette entreprise ici, là? Oui. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. C'est quoi cette entreprise, cette magnifique entreprise qui est derrière moi? C'est pour les maisons et tout. Quoi? Ouais. Je veux vendre des maisons. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Donc, monsieur, je veux vendre des baraques, moi. Nous présentaillons à vous, oui. Parce que nous voulions trouver du travaux. On veut trouver du travaux, ouais. Oui. Du travaux. Madame. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, madame. Ouais, dès qu'il voit une bonne femme, on le perd. Je suis un futur travailleur, madame. Je suis pas patron. Ah bon, vous travaillez dans quoi, vous? Bah, je suis ici, mais je suis salarié, je suis pas patron. Ah, elle est où, le patron? C'est bon, elle m'a donné son staff. Je sais pas où elle est. Bah, moi, je veux le voir, le patron. Vous pouvez pas nous l'appeler, là? Je peux l'appeler, mais. Ah, bah, appelez-le, alors! Arrête de me larguer! J'ai dit à ton staff, je t'envoie un message tout à l'heure! Tu regardes pas la gonzesse. Je regarde pas les bonnes femmes, moi, je regarde plutôt les petits messieurs comme ça. Monsieur? Oui, j'appelle ma patronne. Oui, j'aimerais bien vous vendre des maisons. Ouais, mais attends, oui. Il appelle sa patronne. Il a dit qu'il va tout faire pour qu'on rentre. Ouais, j'ai peut-être pas dit ça, mais vous avez un CV, quelque chose? Bien, oui, non, oui. ouais. C'est. Ah non, le mien, mon chien l'a mangé, je crois. Merde. Dans tous les cas, il va falloir un CV et de motivation, les deux. Ouais. J'en ai, mais ça vous dérange pas s'il y a un peu de pinard dessus? Si. Oh, c'est une tâche. Bah, après, c'est ma patronne. C'est pas vous la patronne. Je vais la dragouiller, ta patronne, tu vois, c'est dans la poche, je suis ton futur collègue. Ah, ben moi, je connais mon frérot, regardez comment c'est un beau gosse. C'est sûr, ils vont finir ensemble, ces deux-là, c'est sûr. Je vous dis, je connais mon frère. Ouais. On l'appelle le baiser fou, le baiser masqué. Oui. C'est à qui la poubelle qu'il y a là? Il sent mauvais, le monsieur, non? Il est pas très beau en plus. Tu trouves pas, Stan? Oh putain, on voit même pas mes couilles! Ah bon? Ah, j'aime bien les mettre à l'air. Tu vois, ça me. Que ça souffle un petit peu, ça fait du bien. L'arme laco, ça y est. Madame, si tu me chauffes, ça y est. Pousse-toi, madame, t'inquiète pas. Oh bordel, Stan! Arrête! De quoi? Je viens de péter! Et alors? Ben j'ai pété par le cul! Ah, t'es bizarre toi! Comment je fais? Ben essuie-toi! Tu dessus, mon gars! Mais. Bon, j'ai plus de place sur le t-shirt! Ah, je suis content, on a trouvé du travail, je suis content! Ah, moi aussi, je suis content! Ah, viens, je te fais visiter les locaux! Les locales, pardon! Tu sais trop pas parler, toi! Ouais. Oh merde, j'ai perdu les clés, bordel!
Attends, on reviendra demain. C'est une blague. Non, 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 non. On va rentrer de force. Et où c'est qu'il est là, madame? Où c'est qu'il est parti? Je crois qu'il nous a bien eu là. Je pense qu'il nous a baisé. Bah, en tout cas, j'ai rien senti. Ah, moi non plus, je suis déçu. Faut dire, j'ai l'habitude. Y'a papa. Oh. Pardon, petit chenapon. Papa, il est même pas là, ce gros connard. Ah, tu putain, j'espère que je vais trouver du travail. Oh, je prépare quoi? Putain, Stan, y'a l'odeur qui me suit, ça pue là! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on va? Ah, bah, où tu veux? Oh là là, c'est quoi le monsieur là-bas? Il s'est fait écraser! Au secours! Assassin! Au secours! Au secours! Assassin, au secours! Ça va? Tu t'es fait bien écraser là-bas, chef. Je dis bisous au patron à cause de vous. Oh, c'est bien. Attends, je suis fier de toi. Attends, faut que j'appelle mon frère pour lui dire. Attends, j'arrête la voiture. On s'arrête! Eh, t'as beau me klaxonner, je m'en fous! Personne ne bouge! Allez-y, passez! J'ai dit bisous à ma patronne, Aiden. J'ai raccroché, j'ai dit bisous. Je peux y aller, vas-y! T'as dit ok, ça marche pas, c'est bon. C'est bien, Stan! Ok. Attends, petit. Ah, t'es le meilleur de la circulation. Il est rouge. Bon, monsieur. Faut appuyer sur le bouton. Merci de faire la sécurité routière pour moi. Oh, bah c'est normal. Ça fait plaisir, dites-moi. Oui, comment que c'est que tu t'appelles? Arthur Belmont. Vous m'avez pas donné vos noms et. Arthur? Oui. Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Non, je rigole, c'est Greg. C'est bien nu. Pourquoi vous rigolez? J'ai pas suivi. Parce que je lui ai dit que moi je m'appelais Mathieu alors que je m'appelle Greg. Non, pardon. Moi tu m'appelles pas, au pire tu viens me chercher direct. Ouais, ou alors tu le sais, okay. Il aime bien. Ouais, d'accord. T'as pas un petit 009 là? Non, malheureusement. Dis-moi, t'es célibataire? Laisse-nous 5 minutes, Stan. Non, monsieur, je suis pas de ce don là. Oh, bah, moi non plus, qui c'est qui parle de ça? C'est un titre informatif. Après, si tu sais nager, tu peux changer de bord quand tu veux, hein. Ouais. C'est vrai, vous avez pas le temps. Si tu sais nager. Allez, je t'envoie mon numéro, bouge pas de là. Quelque chose? Bah, oui, je sais, ça se voit que t'es trop content. Oui, je suis ravi. Bah, tu te fous de ma gueule, hein. Tu m'as dit que tu t'appelais pas comme ça avant. Je m'appelle pas comme ça, non. C'est vrai. Désolé. T'es un menteur, toi. Non, du tout. T'es sûr que tu travailles ici, menteur? Oui, je peux ouvrir les portes, moi. Bordel, mon Bluetooth, il marche pas. Des fois, tu joues au loto? Oui, ça m'arrive. Et j'aime bien 64. Ah, moi, je préfère 69. Vas-y, mon Bluetooth il marche pas! Ah, si, j'ai reçu. Mon Bluetooth il marche pas! Ah, bah oui, c'est. Ça arrive. Putain de téléphone! Bah ouais, c'est un Alcatel aussi! Madame, vous auriez une cigarette, s'il vous plaît! C'est pour mon frère! Grâce en deux, s'il te plaît! Attendez, monsieur, je m'appelle. Vous voulez que je réponde pour vous? Oui, ça va, Alex? Vous voulez que je réponde si vous êtes occupé? Attendez, monsieur, arrêtez de me gueuler dans les oreilles, je peux pas entendre. Monsieur. Ouais, c'est vrai, arrête de lui gueuler dessus, tu vois bien qu'il est au téléphone. Allez, c'est n'importe quoi là! Pourquoi il est pas au courant, monsieur? Il a peur de nous ou quoi? Voilà, la voiture là-bas, elle a tapé dans tout là-bas! T'as dit quoi, frérot? Je disais. Bon, messieurs, j'ai du travail, qu'est-ce que tu savais que la pisse est de l'urine? Du coup, tu vends des maisons? Tu vends des maisons? Moi, je vais acheter une maison, moi. Moi, je vais acheter une maison, mais pas plus de 5 mètres carrés, parce que j'ai pas trop d'argent. Ouais. Dans le Nord, c'est pas cher, hein. Ah ouais? C'est combien? C'est 50%. C'est quoi, pas cher? C'est combien?
On a un site et un catalogue. J'ai pas de connexion internet. Moi non plus, j'ai plus de parfait. Le plus petit, vraiment le petit petit. Oh, petit. Tu joues en Greybird à Mexico. Oui. Super. 250. Parfait. 250 par semaine. Voilà, c'est bon, il manque 249. Ouais. Tu peux me le prêter. Et puis moi, je te prends un appart si tu me le prêtes. Ah. Mais je les rends. Sinon, on trouve un arrangement. Moi, je te paye en feuille de Coca-Cola. Ouh. T'es faux. Non, ça m'intéresse pas, messieurs. Désolé. Tu peux me prêter un petit peu d'argent, puis je les rends. Vous parlez tout à... très près du visage. C'est une manie. Ben, on n'est pas tout près là. Ah non. Si, moi je sais tout ce prix. Moi j'aime bien avoir une distance avec les clients. Ah d'accord. Ah ouais, comme ça je peux vous regarder. Ouais, je comprends. Normalement, il y a un bras de distance normalement. Bah attends, reste, on prend la distance. Distance pour moi, c'est. Ah, bouge pas non plus. Là c'est bon. Attends. Non, là c'est loin. Là c'est trop loin. Voilà. Ouais, vas-y, plus ça parce que je suis. Ouais, mais du coup, moi, si toi, tu prends de la distance par rapport au monsieur et que moi, je prends de la distance par rapport à Stan. Ouais, on n'a pas fini. L'hépatite, ça se transmet pas comme ça, hein, c'est pas très grave. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'attends. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Vas-y, mets-nous une petite maison, un petit truc à 250 pales. Alors, ici, à Orpi, c'est vous qui choisissez l'emplacement. Nous, tu on peux juste... me montrer comment on fait, s'il te plaît? Bon, ouais, je vais me rapprocher, c'est plus facile, en fait. Ah, ben voilà, enfin. Vous baladez là où... dans la ville ou au sud, là où vous voulez. Au nord. Ouais. Et ouais. Vous trouvez un bon petit emplacement. D'accord. Et vous prenez en photo l'emplacement. Ouais. C'est la, bon. La maison, tout ça, le point GPS, et vous me l'envoyez, et on appellera les ouvriers, et on mettra ce que vous souhaitez. C'est génial, c'est bon, ça. J'ai prouvé, gars. La poubelle? Non, mais la poubelle, ça va être compliqué. Bah, il nous faut pas un truc trop grand, nous! Après, hein. Non, après, ouais, vous êtes pas obligé de payer, c'est ça qui est bien, c'est juste vous installer là par envie, hein, par plaisir. Ah, après, on se fait chasser par la police. Voilà. Non, mais. Dites-moi! Oui. J'ai pas écouté, t'as écouté? J'ai rien écouté. Dites-moi, vous avez déjà vu les couilles de mon frère? Ah, j'ai pas envie. Oh, bah, regardez-les, elles sont super jolies, je vous jure. Elles sont même douces si vous voulez toucher, par contre, c'est plus cher. Regardez-moi ça! Non, mais c'est. Oh, le matos! Monsieur. Oh, putain, mon frérot! Je suis fier de toi, mon grand. Tiens, regarde la bonne femme, regarde la bonne femme derrière. Avion de chasse derrière, avion de chasse. Madame, vous avez vu. Regardez-le, regardez la chatte. Ça se voit que c'est un grand baiser. Hein. Ouais. Ah, regardez-le. Ah, il est charismatique à mort. À mort, à mort, à mort. T'as un beau tatou, là. Tu l'as fait haut. On l'entend d'ici, c'est ça qui est fou. Ah, il a une grande gueule. Wouah. Ah, ben voilà, elle a conclu. Voilà, elle a conclu, ça y est. Non, elle m'a dit non, ça c'est. Elle a dit non. Vous tapez. Attends, je vais lui parler deux secondes. Je devrais appeler la police. Attends, frérot, je vais discuter avec elle. Je vais t'arranger un coup. Fais cette petite dame et moi, à chaque fois qu'on se croise, tu verras que la prochaine fois, c'est elle qui va mettre une claque. C'est un jeu. Du coup, vas-y, je vous écoute, parce que quand je suis avec mon frère, j'ai du mal d'écouter. On fait comment sur une petite maison? Comment ça se fait que t'as dit non à mon bagage de frère? Tiens, mange le soulier! Ah! Bisous! Cordialement! Vas-y, la prise de scotch, vas-y! Mais tu t'es trompé! T'as le genou tout éraflé maintenant! Mais non, t'inquiète pas! Bon, c'est bon, on va trouver un emplacement. Ouais, t'as des sous, toi? Oui, attends, faut que je demande un truc. Ouais. Une caravane, c'est pareil, c'est pas cher. Alors, une caravane, on a que des mobilhommes. Ouais, j'aime bien les mobilhommes, moi. Et c'est 300, c'est 600 la semaine, pardon, et si vous allez dans le sud, ça peut être à 300. Non, dans le nord. Oui, non. Mais tu dis dans le sud, t'es con, quoi? Ah, moi, je viens du sud, c'est pour ça, j'ai l'habitude de parler du sud. Et moi, je viens du ciel, et les étoiles. Ah, pardon. Bon, allez, c'est tout. On va aller chercher notre caravane, nous. Ouais. Ouais. Bon, ben. Mais je pense qu'on va faire dans le nord, parce que mon frère, ouais. Il récolte les feuilles de coca dans le nord. Ouais, les feuilles de Coca-Cola. J'ai pas envie de savoir, ça, monsieur. Bah, c'est du Coca-Cola, ça va. Ah. De toute façon, je te donnerai pas la recette magique. Ah, ben, j'espère bien. C'est comme les pâtés de crabe dans Bob l'éponge. Je lui ai dit d'acheter une soda stream, mais il veut pas, il est con. Mais c'est un monsieur, il m'a dit si jamais je prends des feuilles de Coca-Cola, il me donnera du Coca-Cola et 10 000 balles. Ah ouais, quand même. Mais il me croit pas, il me dit c'est avec du soda stream.
Bon, oui, monsieur, vous me contacterez? Comment? Vous me contacterez? Ouais! Trouver la... tout ce qu'il vous faut. Bon, allez, je te fais un bisou sur la bouche! Non! Ah, non, trop tard! J'ai esquivé! Non, j'ai esquivé! On serre la main comme non, des bonhommes, oui. Oh, attendez, attendez! Quelle main? Vous êtes gaucher ou droitier? Ouais, droitier. Raté! Vous êtes gaucher, monsieur! Allez, d'accord, allez, moi je suis droitier! Allez, mon gars! À bientôt! À bientôt, bientôt, bientôt! Ah, venez, nous on se touche le doigt, quoi! Non, ouais! Bah, on se touche juste le doigt, non, ça non. va! Allez, au revoir, monsieur! Quoi? Tout ça parce que je suis noir! Non! Arrête de dire ça, ils s'en foutent que t'es noir! Hein. Le monsieur veut pas me faire un bichou! Connard! Escroc! Tu conduis? Ouais, tu vas conduire? Oh, il vaut mieux pas! Ah, bah, allez alors! Bah, j'ai pas le permis, moi, de toute façon, donc ça va, je risque pas de perdre des points! Oh, tu me dis, tu m'as un endroit sur le GPS. Et on va aller voir pour mettre la baraque. Après, faut pas oublier qu'il faut aller voir le monsieur pour mes sous. Ouais, ouais, ouais. Papa, il est déjà reparti. Ah non, attends, je vais l'appeler, moi, ce connard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu papa. On l'a retrouvé 2 heures et je l'ai plus vu après. Tu l'as vu quand toi? J'ai vu tout à l'heure. Tu l'as vu tout à l'heure? Ouais, mais là il me répond plus. Tu l'as vu où? Ouais, il a eu des petits problèmes avec la justice. Putain, vas-y, recule. What? Recule. Regarde à ta gauche. La moto. Je connais un gars, non, tout à gauche au mur, je connais un gars, il s'appelle Thomas, là, le même terrain. Je vois pas où. Ben là, là-bas, là. En face, oui, en face, là, au mur. Espèce d'enculé. Ah, je le connais aussi, c'est un gros bâtard, celui-là. Je crois qu'on t'appelle. Allô? J'en vais. Oh là là, attends, faut que j'augmente mon volume. Je te rappelle, bébé. Tu veux pas augmenter le volume sur le téléphone là? Oh, je sais pas, je vais me garer, je vais regarder avec toi. Je l'entendais mal, mon jambé. Oh, j'ai pas l'impression. Appelle-moi, va. Vas-y, roule. Excuse-moi, j'ai un appel. Ouais, t'inquiète. Allô? Ah ouais, mais là, t'es à côté de moi. Bah. Descends. Allô? Bah, encore plus loin. Ok. Allô? Tu m'as... Allô? Oh là là, j'entends très mal, hein. Ah bon? Oh, c'est bizarre ça. J'ai peut-être mis mon micro dans mon cul. Je sais pas ce que tu dis, mais c'est super. D'accord. N'oublie pas que ton oreille droite, elle doit pas être bouchée, hein. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Oh, t'as pas envie d'être taxi, toi? Bof, hein. Ouais, bof. Mais vas-y, si, pourquoi pas, vas-y, on s'en fout. Ah, moi j'aimerais avoir un travail, ou que c'est que je peux avoir une voiture de service. Un travaux, qu'on dit, un travaux. Un travelot, hein, pas confondre, hein. Ah, le travelot, ça c'est papa, ça. Oui, et alors? T'as quelque chose contre les travelots? Non, du tout. Si, je le sens. Je les aime bien, mais loin de moi. Oh là là, c'est pas... Allez, loin de mon cul. Arrête-toi. Attends tout de suite.
Ouais. Allez, bisous. Allez, vas-y, viens, frérot! Ah, en pas! J'ai touché quelque chose, là! Ça m'a fait mal! Oh! Ah. Stan! Bah, tu pourrais m'emmener au commissariat, s'il te plaît? Ah. Tu vas aller au comico? Allez, alors! Ça te dérange pas? Bah non! Je sais pas, c'est où? Lequel? La gendarmerie ou la police? Je sais pas. La police, la police! Bah allez alors, je t'emmène, j'appelle papa en même temps! Tu peux me regarder vite fait, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Ouais, je te regarde, ouais. Merci. Pourquoi? C'est parce que je vais te faire une surprise, je vais faire un album et je vais faire un petit poème avec. Il faut que je te regarde. Non mais c'est bon, c'est bon. Pourquoi tu rigoles? Ben je sais pas. Tu vas me faire une surprise, j'adore les surprises. T'es content? Ah ben ouais. Ah ben moi si je peux te faire plaisir frérot, t'inquiète pas, c'est toujours... Oh bordel. C'est mon frère avant tout. Ah c'est sûr, ah t'es trop le meilleur. Du commissariat. Ah ben c'est là y'a un parking. Va te parkinguer. Ah, y'aura personne va. Allez descends. Ouais, Jean-Bi. Ouais, je t'entends mal, mais c'est pas très grave. Est-ce que tu es disponible pour venir au commissariat? Enfin, au poste, j'ai envie de porter plainte. Oui. Merci beaucoup, à tout de suite. De quoi? J'ai rien compris, j'entends très très mal avec le réseau. Je t'attends en haut là, je vais monter la petite pente et je t'attends en haut. Allez, à tout de suite, bébé. Ah, je te prie de te calmer. T'as dit bébé à qui, toi? T'inquiète pas, c'est un pote. Un pote? Ouais, et je crois avoir trouvé, je crois savoir. C'est parce que j'avais baissé le volume l'autre fois du téléphone, mais je sais plus comment j'avais fait. Ah, ben moi non plus, je sais pas. Attends deux secondes, je vais regarder. Ouais. Et pourquoi papa y répond pas, ce gros connard? Moi, Fiston. Ouais, papa! Pourquoi tu me réponds pas depuis tout à l'heure? Bah, comment dire, j'étais un peu dans les papes. Ah bon? Et là, où c'est que t'es? À l'hosto, comme Stan? Oh ben Stan il aime bien se réveiller à l'hôpital lui. T'es où? Je suis à l'hôpital. Ah ben voilà.
Ben, bosse pas, je vais te chercher. Ok, ça marche. Attends-moi là, Stan. Vas-y, j'ai pas trouvé. Attends-moi là, je vais chercher papa. Je passe à l'autre jour. Ouais, je vais vite. Ah, j'arrive, papa. Mais passez vite, okay, passez vite. J'arrive, connard. Ouais, va te faire enculer. Dépêche-toi, tu vas où? Je te suis, vite. Ah ben, je peux pas raccrocher. Ben, si tu peux. Mais raccroche, va. La flèche du haut sur ton téléphone. La flèche du haut sur ton téléphone. Ok, merci, voilà. Ouais, bouge ton cul. Quel sac à merde. Pourquoi tu veux venir à la police? Pourquoi? Pourquoi que tu veux venir à la police? C'est pour l'histoire qu'il y a eu l'autre fois. Laquelle? Oui, c'est vrai, il y en a eu beaucoup. Ah ouais? Ça te regarde pas. C'est bonne activité. J'ai bonne activité. Attention! Mais t'es malade! Chauffard! Elle va pas nous tuer maintenant, j'ai pas fini ma bouteille de pinard, moi! Tu vas où là? On va chercher papa à l'hosto. Il est comme quoi, papa? Mais moi, il y a un zombie qui m'attend, qui arrive au commissariat. Ah, t'inquiète pas, on va aller le rejoindre. Qu'est-ce qui lui est arrivé, papa? Sûrement trop bu. Ah, il a fait un coma hydraulique. Salut. Oh là là, je crois que t'es écrasé un char. Il y avait un trottoir ou quoi? Bonjour, monsieur. C'est Austin. Ah, c'est toi, papa, je t'avais pas reconnu. Salut. Ouais, c'est moi. T'as vu le beau short qu'il a ou quoi? Bah ouais, grave, on dirait un boulanger, ça te va trop bien. Ouais. T'aurais une baguette, s'il te plaît. Bon, j'ai un cadeau pour toi, Stan. C'est vrai? Ouais. Et moi, j'ai pas de cadeau, moi. Non, pas toi. Tiens, c'est pour toi. Oh, mon chat. Il rend le doudou. Tu m'en donnes un. Ouais, c'est pour moi. Tu l'as reconnu. Ta gueule. Dégage sur ma voiture maintenant, cache-toi. Toi aussi, descends. Bouge ta race. Frérot? Ouais. Papa, il a rafistolé mon nounours qu'il avait enfilé quand j'étais petit. Ouais, je sais, Stan, il me l'avait dit, c'est une surprise pour toi. Oh, je suis trop ému. Tu peux le mettre dans le coffre, papa, s'il te plaît, j'ai pas envie de le perdre, celui-ci. Je l'ai retesté, t'inquiète pas. La couture qu'il a fait, elle est solide. Elle tient le coup. Parce que c'est pas bien de faire travailler les enfants. Bah. Les coutures tiennent pas. Ah ouais. Oui. Bon, allez. On va voir ça. Je vais me boire une petite binose. Tu m'as dit Jean-Mi. Ouais, toi t'as été au promo, papa, ça se voit. C'est de la Heineken. Ouais. Je l'avais dit. Tu viens de me dire qu'on allait voir Jean-Mi. Oui, c'est vrai ça. Ah, ça c'est mon amoureuse. Non, c'est pas tous. C'est un pote à moi. Ah bon? C'est pas une gonzesse, t'es malade ou quoi? Bah ouais. Bah, je préfère. C'est plutôt monter de voir. Allez, montez. Papa, dépêche-toi. Pourquoi t'es si pressé? Papa, pourquoi... Non, arrête-toi, je respecte. Papa, tu veux monter devant? Non, t'inquiète, fils, t'inquiète. Non, mais je rigole, c'était une blague, vas-y, roule. Ouais, c'est bon. C'est drôle. Trop dur, ouais. C'est derrière. Ouais. Tu klaxonnes, m'arrête. Parce que j'ai soif, fais-je bois un coup. Mais la bouteille, j'ai poussé le klaxon. Toi, t'es pas obligé de dire à ton bout, tu bois un coup. C'est une grande bouteille. C'est parce que la bouteille est grande. Hop là, ça jette pas la flèche. Ouais,
c'est bien. Tu peux m'ordonner tout à l'heure. Ouais, si tu veux. Allez, on va aller voir. Dis à papa que t'es en train de faire du poker. Ouais, ouais. Papa, ça, papa, il est venu faire avec moi du Coca-Cola. Ouais, c'est gentil ça, papa. Ah, le blague, Jean-Mi m'appelle. Allô? Ouais, je t'entends pas, mais t'inquiète pas, je suis là, je suis en bas des escaliers, j'arrive tout de suite. Tout de suite, bébé. Je vais être à l'auto. Oh les copains! Papa! Stan! Je pourrais te parler tranquillement s'il te plaît que tu l'aies. Ça va? Ça va. Oh! Oh bébé! Jean-Mi, Jean-Mi, je te présente mon frère Jean-Mi. Oh, ça va bébé? On se connaît bien. Ça va mon cœur? Ça va et toi mon chéri? Bon, ça va. De quoi? Ben, c'est mon amoureuse que je t'ai dit. Quoi? Ben bien sûr. C'est pour ça qu'il boite. Ben ouais. Oh mon dieu. Ça va mieux ton fier que bébé. Oh, je vais être parrain, je vais être parrain. Je vais être parrain. Ah, non, ça rien fait, nous. Menteur. Menteur. Du coup, c'est vous qui êtes venu porter plainte? Oui, c'est ça, monsieur, c'est moi. D'accord. Est-ce que vous, ça serait possible que de s'entretenir? S'entretenir? Oui, oui. Pas de soucis. Non, s'entretenir, mais c'est pas parler de français, quoi. Oui, oui, vous avez ramené les cacahuètes ou pas? Pourquoi faire? Le thé. Le thé? Tout à l'heure, il avait ramené le caca, il manque plus que les ouettes. Ouais. Ah, ok, ok. Ouais, parce que tout à l'heure, en fait, je vous raconte l'histoire. Tout à l'heure, j'ai pété. Pas Jean-Mi, le temps qu'il dispute. Tout à l'heure, j'ai pété avec mon cul. Attends, je t'ouvre la porte pour Jean-Mi. Et du coup, vous avez pété avec votre cul, et du coup, ça fait quoi? Bah, j'ai pété avec mon cul. Vous auriez pas un petit peu d'argent pour moi, s'il vous plaît? J'ai pas à manger, j'ai pas à boire, j'ai rien. Je vous donne à manger à boire si vous voulez déjà dans un premier temps. Oh, je veux bien, merci beaucoup. Attendez, je regarde ce que j'ai. Ah, oh, j'ai marre de faire regarder comment j'ai la peau sur. Il ne reste qu'un paquet de chips, ça va aller. Ouais, je prends ce qu'il y a. Même un sourire, ça me réchaufferait déjà le cœur. Voilà. Et puis, pour faire glisser ces petites chips, c'est un petite canette de coca là. Je viens d'acheter mon distributeur. Ah, je vous remercie. Du coup, il était venu porter plainte pour quoi? Par contre, l'orthographe sur vos messages. Énigmatique, hein, je veux dire. Vous suivre, hein. Attendez, je mange mes chips. Les chips sont. Oui, oui, ils sont craquantes. Il y en a beaucoup, hein. Monsieur, vous êtes venu avec lui pour porter plainte aussi ou vous êtes témoin? Oh, je suis témoin, moi, mais faudrait que j'aille avec lui. D'accord, et le monsieur là de ma droite là? Non, moi je. C'est mon vieux daron, ça, c'est mon vieux père. Monsieur, d'accord, c'est votre daron. Oui. Monsieur, vous pouvez nous assister parce qu'il est un peu nul, Jean-Mi, il trouve pas le bureau. Ah, ben il y a des bureaux, faut aller. Venez, venez, venez. Allez, non, venez. Pas toi, viens, pas toi, viens, pas viens, papa. C'est. Allez là-bas, là, vous allez dans le bureau de. Du... Venez. Ah, viens, papa. Ouais. Monsieur, ouais, ouais. Monsieur, c'est moi qui porte plainte, s'il vous plaît. Ok. Donc là, vous avez. Donc. On va où? Bah non, qu'est-ce que je dis? Bureau du commissaire, excusez-moi. Restez là, les. Voilà, donc là, attends, après, ils vont venir avec moi. Eux. Ah, c'est bon! Donc là, vous pouvez parler tranquillement, là, ici? Oui, je suis pudique, je veux parler que tout seul, s'il vous plaît. Ouais, 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 on va vous attendre là-bas. C'est gentil. Venez, on va retourner sur le. Eh, ouais, monsieur m'a donné des chips. Parce que cette histoire-là, elle m'a retourné. Ah oui? Ça va, monsieur? Vous avez besoin de voir un médecin? Attendez, ou pas? Attendez! Oui. Attendez! Oh, bébé, viens, je te retourne sur un bureau! Oh, bébé! Viens là, viens là. Oh bébé là. Viens, je mets sous le bureau. Non, ça ira. Oh, tu fais ton timide avec moi. Arrête. Ouais, Greg. Quoi? Non. Il est en service, ça les dégueule. Je suis en service pour le moment, dans 2 heures. Fais-moi un petit bisou quand même.
Allez, sur la joue. Non, sur la bouche, je vais être colère. Hey. Embrasse-moi. Il y a des caméras, Ouais, bah alors, les allez, gens qui regardent, ils savent que c'est trop. Là, je te dis, viens là. Allez. Lâche-moi. Viens là. Lâche-moi. Allez. Bouffe-moi le cul. Ah, je vais l'emmener avec moi. Du coup. Ah, vous voulez parler avec moi? Oui. Bonjour. Dites-moi. Du coup, il faut qu'il les emmène. Oui, c'est ça, monsieur. Vous comprenez vite votre métier, c'est super. Voilà. On va s'isoler par là, nous. On va s'isoler. Oh, portez, je vais sortir à mon rendez-vous. Les emmener T'as besoin de. Attends-moi, frérot. Hein. Oh. Alors, je vais être en retard. C'est 22h30 pile. Allez. J'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Pile, qu'est-ce qu'il y a? Oh, portail de cul. Oh, vite, papa. Vite, papa. On y va. Je vais être en retard, sinon je vais pas avoir mon oreille. Non, c'est moi qui conduis, c'est pas où c'est, faut que je conduis. Oh, bordel, les clés. Je les trouve plus, là. Oh, vite, 22h30 pile, il m'avait dit. C'est moi ou j'ai un voie plus crevé? Non, pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression. Oh bordel! Il est quelle heure, papa? Attends, je te dis ça. Sors le téléphone! 22h27. Oh bordel, il m'avait dit à 30. Je peux leur envoyer un message du coup. Ok. Bah, ceux qui. T'as avec qui le rendez-vous? Il m'a pas donné son numéro, il m'a dit 22h30 pile ici. Ah.
l'impression qu'il m'a mis une carotte. T'as pas 50 balles? T'as pas 50 balles? Pourquoi faire? Parce que faut que je fais une annonce. Deux. Sur le pass jaune, mais c'est que 50 euros. Mais pourquoi faire? Mais pour faire une annonce pour le monsieur, lui dire que j'ai son Coca-Cola. Il te faut 50 balles. Ouais. Merci, je te rends à papa le mois prochain. T'inquiète. Merci papa. C'est quoi ça? Allô? Frérot, tu peux venir me chercher? Bah j'attends le monsieur là, pour le Coca-Cola! Vas-y, viens me chercher s'il te plaît, arrête va! Vas-y, papa va arriver te chercher! Ou au pire, envoie-moi une position! Vas-y, ça marche! Mais attends-moi s'il te plaît! Ouais, mais là j'attends le monsieur, sinon parce que ça m'aurait fait chier d'avoir travaillé attends-moi, pour rien! Mais attends-moi, vas-y, envoie-moi une position et attends-moi! Vas-y! Avec le monsieur. J'ai envie de le rencontrer. Vas-y, de toute façon, il est même pas là. À tout de suite, ouais, super. Oh, tu viens démarrer la bagnole? Ouais, c'est bon, il va arriver. Ah, ok. Pas assez d'argent, sa mère. Moi, ouais, ben, je pense qu'il t'a baisé la gueule. Je crois bien, ouais. À moins que c'est lui là-bas. Moi j'ai l'impression que j'ai travaillé pour rien. Je fous de ma gueule.
Il est où, papa? Elle est là, sur le muret. Elle me sait, mamie, une bite, je crois. Pourquoi? Ben, elle est pas venue, va, elle est pas là. Oh, partait. T'as fait tout ça pour rien? J'ai bien l'impression. Non, j'ai rien à foutre, je vais aller voir d'ailleurs, moi. Moi, je vais aller voir les cités, moi, je vais revendre. Tout le monde va bien, tout le monde va acheter du Coca-Cola quand même. Il va arriver le monsieur, c'est sûr. Ah, je suis pas certain. Il t'a dit 30, tu l'as rappelé, il est là. Mais j'ai pas son numéro. Ben. Bordel de cul. Je sens que Stan il va me mettre une carotte. Je le sens à mort. Là, il y a des seins, va me chercher après. C'est sûr, il va mettre une carotte. La voiture avec papa. Ouais, mais ça me fait chier, monsieur m'a mis une carotte. Ouais, je pense pas, je pense que un peu de retard, ça arrive. Ah ben, faut quoi. Mais non, c'est moi, j'ai les clés. Pardon. Papa, tu vas derrière. Hein. Bah ouais, c'est le plus beau devant. On va où? Ouais, bah attends, on attend 5 minutes, non? Mais il viendra pas. Ah, tu sais, normalement, dans un rendez-vous, il est 38, c'est 15 minutes. Si t'es au bout de 15 minutes, il est pas là, il faut y aller, ça sert à rien. Mais là, ça fait pas 15 minutes. Bah non, bah vas-y. Moi, je vais fumer une clope dans l'auto. Vas-y, super. Mais garde-toi, tu vas utiliser de l'essence. Et du coup, Jean-Bi, je savais pas que tu le connaissais, moi, Jean-Bi. Ben, c'est mon amoureux. C'est un truc de fou, ça. Ben ouais. Mais pourquoi tu me l'as pas avoué avant? Moi, je vais pas te juger, frérot. Bah, je me suis pas caché, hein, frérot. Je te l'ai dit, moi. Vas-y, tu m'as dit c'est ta gonzesse. Ben non, je dis c'est la mort de ma vie. C'est toi qui as dit c'est ma gonzesse. Non, tu m'as dit c'est ma gonzesse. Ah bon? Bah, c'est ma gonzesse. Ah oui. C'est pas parce que c'est hyper. Merci. C'est hyper féministe, n'empêche ce que t'as dit. Féministe? C'est ouais. Quoi ça? Je sais plus. Waouh! Ça veut dire que j'aime les femmes. De quoi? Anonymous. Il y a un message sur Twitter, je vais aller voir. Anonymous? Ah, t'as Twitter, toi? Ouais. Oh, comme par hasard, on cherche des feuilles de coca au moment où mon dealer il est pas là! Bordel, comment je fais? Ouais, faut de l'argent. Hein. J'ai demandé du Coca-Cola. Pour être sûr. Mais non, moi j'ai pas de code Twitter, je crois. Par contre, mon téléphone, il sonne fort dans ma tête, là. Waouh. Oh, c'est bon, on va avoir de l'argent. Tu vas voir. Oh putain, t'as fait des progrès toi. Oh ouais. C'est papa qui t'a appris. Ouais. Parce que t'as fait plein de fautes, hein.
T'as mis un S à vous. Hit, c'est écrit H-A-I-T-E, déjà. Et je crois qu'il y a un U, je suis pas sûr. Il y a un U. Ah, je sais pas, attends frérot, je suis en train de rouler ma clope là. Je vais fumer dans l'auto, ça vous dérange pas? Mais t'en auras plus de tabac si tu la roules. Tout le tabac va s'enlever. Ouais, t'es pas con. Ah, vas-y, au pire, autant que j'arrête de fumer, non? Ah ouais. Papa, t'es timide, donc pourquoi tu parles pas? Hein? Oh, je suis fatigué, les gars. Tu dors! Ouais. Bah, faut pas dormir comme ça. Tu fais une chicha ou quoi? Ouais, on va dire ça. Ah, tu vas, pote? Ouais. Tu veux pas du CBD? Bah, y'en a pas ici. Est-ce qu'on a un gros connard? Ouais, moi. Ouais, pas me demander, papa. J'ai des connexions partout, moi. Ah ouais, je vois ça. Tu veux combien de grammes? Je sais pas, on verra bien. Mais t'hésites pas. Comme ça, je te le ramène, ça donnera l'occasion qu'on se voie. Ouais. C'est vrai. On se voit pas souvent, nous, papa. Ouais, non, c'est vrai, c'est un fiston. Ça, c'était séjour à Dubaï, je t'ai déjà dit, il faut arrêter. Et te faire pisser dessus pour de l'argent, c'est pas... C'est pas génial, hein. Papa. Quoi? C'est un sujet tabou, non? Bah non, pourquoi? Tu veux je conduis, frérot? Vas-y! Bah, démarre là! Bah ouais! Tu veux pas prendre ma voiture plutôt? On peut pas monter à 4! Bah, papa, il ira dans le coffre, refusez! On va où? Bah, je sais pas, moi ça me casse les couilles, je me suis bien fait baiser! Moi, je vais revendre ça aux déjà! Répondu, c'est le tuteur là. Oh non, il répond plus. Le Stan il va me mettre une carotte. Ah, ça va, j'ai rien. Ah, quand même, ma tête elle a cogné un petit peu. Pourquoi tu me fais conduire? Je continue à conduire quand même. Tu veux que je conduis? Allez, je conduis encore. Allez, vas-y. Tu me dis, je vais où, hein? T'hésites pas. Oh, vas-y, papa, dis-lui, parce que j'aimerais bien pouvoir faire fumer mon putain de cerveau. Dis-moi, papa, dis-moi, je vais où? Bah, je sais pas, moi, je vais faire quoi? Je sais pas, moi. À la fête foraine, à la fête foraine, papa, il paye son tour de manège. C'est non. Vrai? Non. Eh non. Vas-y, tu peux faire ça quand même, gros radin. Vas-y, tourne à droite. Non, non, faut que je garde ce qu'on va ma... Mais t'es con, tu m'as dit de tourner à droite. Ah, je croyais que c'était là comme dans Harry Potter. À chaque fois, tu fais ça. Un jour, on va se faire du mal, là. Du coup, je fais quoi, là? Je repars, je vais en marche arrière. Regarde, je mets l'eau sur les jambes à papa. Oh, c'est trop mimi. T'as vu? Ouais. Quand je te regarde dans le rétro. Non, je vais prendre le temps, je vais me tourner. Mais papa. Laisse te faire un câlin, t'as pas vu depuis des années. Connard. Vas-y, papa, monte derrière, je monte devant, t'inquiète. Je sais plus où je dois aller, moi, je suis venu. Hop là, celui-là est dérangé. Au moins, on est tranquille. Ouais, je peux pas monter devant! Oh, c'est pas grave. Bonjour monsieur. Bonjour. Il est possible d'avoir un petit coup de karcher, un petit peu sale. Non, pas mon frère, pas mon frère. Non, bah pas moi. Ah, excusez-moi. C'est propre, j'ai pris une douche à 3 semaines. Faire ça. Bien sûr. Oh, ouais, moi aussi je veux mettre un coup de karcher. Monsieur a de l'argent, dis donc. Oh, tu peux la fermer, je vais pas te la voler. Hein.
Oh bah non, mais. Eh, il est où l'appareil pour acheter les jetons là? Bah on discute à Yon, putain, ouais. Tu t'en vas. Attends, je vais me garer à côté. Ouais, ouais. Vas-y, mon grand. On veut des jetons. On veut des jetons. Ouais, où que c'est qu'on achète des jetons? Allez, ah oui, c'est Naruto ou Amidas, je crois. Ah bon? Monsieur, vous avez ouais, pas un petit peu d'argent pour laver, s'il vous plaît? Ouais. Bah, il faut acheter des jetons, monsieur, moi j'en avais qu'un. Mais c'est où qu'on les achète, ces merdes? Naruto ou Amidas? Oh, d'accord. Dites-moi, mon petit monsieur, vous travaillez dans quoi, vous? Ah, je suis taxi, moi. Taxi, ah bon? Eh ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec ça paye bien la bagnole. Ouais. Ah bah oui, hein. Il faut. Eh, hein. Dites-moi, mon petit monsieur, vous aimez bien le Coca-Cola? Ouais, ça va, ça va. Ouais, parce que j'en vends des feuilles de Coca-Cola. Des feuilles de Coca-Cola? Ouais. Intéressant. Avec ça, vous les pressez et après vous avez du Coca-Cola, vous rajoutez pour un petit verre de 25 centilitres, vous rajoutez 3 boîtes de 100 bouts de sucre. Et nous, ça vous fait du Coca. On vendait 15 000 normalement, mais là on veut s'en débarrasser pour 12 000. Oh bah ça m'intéresse pas. Il y en a 500. Ah non, 500, oui. Donc 500, on a fait 7 000. Ah non, plus que ça. 6 000. 8000, ouais! 8000, ouais! 8000, ouais! J'ai l'impression que vous savez pas trop où vous allez là, mes pauvres monsieur. Oh non! Qu'est-ce que vous faites dire ça? Bah, vous entendez pas trop sur vos prix là, dis donc. Mais c'est parce que moi, c'est les promos, c'est les ventes flash! Ah bah oui, c'est mon frère est trop généreux! Ah oui! Et bah, je préfère vous. Et même qu'une fois, j'ai branlé mon chien! Ça faut pas le dire! Ah! Pourquoi? Oh, j'ai fait un message sur Twitter. Mais c'est son chien. La maltraitance animaux. Et c'est quoi votre pseudo, monsieur? Nicolai. Pourquoi tu t'es fait mal au? Un peu partout. Ah, d'accord. Je m'appelle Stan Bobo. Donc Stan. Stan Bobo et toi, Nicolai. Exactement. Lui, c'est Greg Ketoum. Et le petit monsieur avec le béret. Eh, vas-y, présente-toi, papa. Charlie Pansement. Bah, ça tombe bien, Nicolas et Charlie Pansement, tout ce qu'il faut. Exactement. Avec ça, je vous mettrai Greg Ketoum. Non, mais c'est super. Je peux avoir votre petit numéro, s'il vous plaît? Bien sûr, alors attendez, parce que... Ça fait plaisir. Vous savez, avec la technologie, avec la technologie, on peut se l'envoyer comme ça. Oh bordel, il y a encore une correcteur orthographique de merde qui m'a fait plein de fautes, enculé. Merci, monsieur. Oh bordel. Non, monsieur. Ah, je suis en train de perdre patience à m'énerver, correcteur de merde. Je joue le 62. Oh. Là. Magnifique. Dites-moi, monsieur. J'ai l'impression que votre pare-choc est un peu pété. Bah, j'ai surtout l'impression que vous venez de mettre un coup dedans. Ah bon? Moi? Non, bah je l'aurais vu, monsieur. Je l'aurais vu. J'ai des oreilles, vous savez. Bon, on a du business à aller faire. Je suis très très calme aujourd'hui. Pourquoi? Ça fait plaisir, ça. Ouais, c'est que je suis content. C'est la casquette. Vous auriez un petit sou, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai demandé, un petit billet, s'il vous plaît. Un petit billet, s'il vous plaît. Pour papa, s'il vous plaît. On a vraiment pas de chaud, on a pas de quoi, se nourrir. Moi, c'est pour acheter ma Twingo. À moi. Tu m'as donné combien? Il y a beaucoup de billets là? 200 billets de 1. Quoi? Aide-moi s'il vous plaît. Tu m'as donné 200 billets de 1. J'ai pas d'argent du tout. Monsieur, c'est bon. Merci pour ce que vous faites, monsieur. Si vous pouvez mettre un petit pourboire en plus. Attendez, il y a combien là-dedans? Attends. Mais tu veux de l'argent ou tu veux boire? Il faut savoir. Attends, il y a combien là-dedans? 200, monsieur. 200 chacun, je vous ai donné. Merci beaucoup. 200 billets de 1, ça fait au moins. Ça fait au moins 200, ça! Nicolas! Ouais. C'est moi toujours. J'ai envie de vous prendre dans mes bras. Ouh.
Oh vite, on a du business à... Stan, Stan, oh, vite. Allez, votre frère vous appelle, allez-y. Mais c'est tout, on se check comme des frères alors. Allez, on fait ça. Allez, mon gars sûr. Bien, mon gars. T'appelles Stan Bobo et Greg Ketoum, n'hésite pas à nous appeler. Oh vite, faut se dépêcher. Y'a le monsieur pour les feuilles de Coca-Cola. Attends, non, descends, arrête, top. Papa. Merci, papa. Ça va pas. Mais papa, il sait, lui. Il sait que pour l'instant, il nous a abandonné pendant trop longtemps. Sa place est derrière. Oh, bordel, faut se dépêcher. J'ai donné rendez-vous au monsieur. Mais la voiture, elle tourne pas, là. Il était gentil, monsieur Nicolas. Il m'a donné ouais. 200 billets de 1. Moi aussi, il m'a donné 200 billets de 1. Ouais, par contre, le monsieur sur Twitter, il fait un peu trop le bonhomme à mon goût. Voilà, il me dit dépêche, sinon je me tire. C'est lui qu'on va te tirer. Là, tu vas voir, c'est les acheteurs, ça, je suis sûr, il va te proposer quoi, 4000, 5000. Ah, c'est son fiac que je vais tirer, moi, tu vas voir. Faut arrêter avec les fiacs, hein, frérot. Bah. Ouais. On va faire un peu d'argent, on va acheter quoi avec tout ça? Oh, plein de witches. On va en mettre chez moi. On va payer ma Twingo. Ta Twingo. Ouais, papa a commandé une Twingo, ce connard il a plus d'argent. Mais il va se faire. Mais non, il l'a pas acheté, il n'y a pas de show. Ah, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Elle coûte combien la Twingo? 4500. Vas-y, on y va discret, on y va comment? On y va. On met un max? Ouais. T'es sûr, on met un max? Ouais. Moi, je n'ai pas de masque. Hein. Ça, c'est lui, ça. Alors. Attends, je mets un masque, attends, je suis pas prêt. Oh, je suis pas pour. Alors, y va. J'ai pas de masque. Tu mets tes mains, t'inquiète pas. Ah non, je vous attends. Il est où? Je sais pas. Rigolo ou quoi? Tu vois quelqu'un? Viens papa, descends. Pour quoi faire? Ben pour vendre la drogue. Ouais, mais j'ai pas de masque. Ce connard, il me dit je te vois pas, je fous de ma gueule en fait, je crois. Pauvre connard. Pas de masque. Quoi? Ah bon, pourquoi? Mais alors? Hey, t'es pas de drogue, hein, ça. Ah, ce connard, regarde sur Twitter, il a mis c'est toi qui fais le canard. De quoi? Sur Twitter, il a dit c'est toi qui fais le canard. Prépare ton couteau. Moi? Ouais. Ouais, il est là dans combien de temps? Bah, il doit être là. Il est là, mais il joue à cache-cache. Si tu lui jettes dans l'œil, c'est bon. Attends, bah, c'est bon, tant pis pour ses feuilles, il m'a cassé les couilles. Tu l'avais dit où, toi?
Je lui ai dit, tu iras chercher tes feuilles toi-même, connard. Il m'a dit, tu vois la BM. Il n'y a pas de BM ici, il est complètement faux. Ah, allez, venez avec moi, les copains. Oh, désolé, il est là. Ouais, ouais, désolé. Il est où? Je sais pas, il m'a demandé si je voyais la BM. Arrête. Va, attention papa. Ah. Je t'ai dit attention. Il est à stop. Ah. Il y a bagarre ou quoi les gars? Ouais. Il y a bagarre? C'est... Non. C'est toi pour Coca-Cola. Non, non. C'est son ancienne voiture. À qui? Ok. Ouais, je t'ai tapé une biche ou quoi? Ouais, bah, ouais, c'est, si tu veux vraiment savoir, je te parle sérieux, c'est la bague qui m'a foncé dedans. Sois ouais, s'arrêter. Aller... Alors là, viens, on va les goumer. Ah ben go, on y va, on va les défoncer. Viens, monte, papa. Papa, monte de l'autre côté. T'es malade, ils savent pas qui on est. Ils savent pas qui je suis, moi. Vas-y, monte, papa. Laisse monter le vieux. Et toi, tu te laisses faire comme ça? Faut pas te laisser faire, mais bordel. Mais ils sont tellement partis vite, bon, ok. Ah, t'inquiète, là, ça va partir vite aussi, là. C'est quoi ton petit nom? Joe da Silva. Il... Joe da Silva? Ouais. Pareil, pareil. Ouais, bon, c'est. Tu te fous de ma gueule. Mais... Non, oui, pas du tout. Oui, c'est... Non, c'est Stan Bobo. Moi, c'est Greg Bobo. Vous êtes frère? Non. Sœur? Ah non. Ouais. Ah oui. Okay. C'est logique. Sinon, je vais attendre un monsieur, moi, à la BMW. Ah! Oh! 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 Ça va, j'ai rien, j'avais les crocs! J'avais les crocs! Oh! Ah, ben, il y a le monsieur, il me renvoie un message! Ah putain, faut retourner à la BM. Nique sa mère le vieux. Et il a 500 feuilles sur lui, gros. Quoi? Faut vraiment pas le laisser comme ça tout seul, il y a déjà ils vont lui prendre. Tant pis. Laisse le volant. Descends. Faut qu'on retourne à la BM. Mais viens, on y va. Je t'amène, viens. Ah bordel, va retourner à la BM là-bas, le monsieur m'attend. C'est où? Tout droit. Tout droit encore. Mets ta ceinture. T'inquiète pas. Vas-y, avance encore. Maintenant c'est là à gauche. Il est pas là. Il faut de notre gueule ou quoi? Mets-lui un coup de pression. Dis-lui, si dans une heure t'es pas là, je m'en vais. N'aie pas peur de lui dire, hein. Voilà! Ça c'est dit, ça c'est fait! On a une belle voiture, non? Ouais? Tu l'as payé combien? C'est des trucs qui se demandent pas, ça! Ah bon? C'est marrant, j'étais là quand tu l'as acheté! Escroc! Pas du tout! T'es un escroc! Et alors?
Allez, où est-ce ton cas? Et où est-ce qu'on a? Oh, je crois qu'on a un message porno sur Twitter. Ah bon? J'ai l'impression. Attends, je vais regarder. Ah bah attends, s'il veut rigoler, on va le retrouver. Moi, j'aime bien rigoler. Je pense qu'au bout d'un moment... On fait quoi, du coup? Attends, parce qu'il me casse les couilles, là Ah, y'a un papa qui m'appelle! Ah, c'est super ça! Ouais, papa! Allô, ouais! Ouais, dis, tu vas venir me chercher! Bah, où que c'est que t'es? Et où, papa? Vas-y, on va mettre position, papa! Allez, ouais! Et où alors? Il m'envoie une position! Ouah! Bah, t'es malade, toi! Oh, bah, il est faux! T'es un malade, lui! Bah, t'es cinglé ou quoi? Oh! J'ai pas le conduire ou quoi? N'abîme pas ma voiture! N'abîme pas ma On vient de l'acheter! Arrête tes conneries! Vas-y, arrête, c'est ma bagnole, je vais t'enculer. Arrête, tu vas chauffer mon frère! Hein. Oh, moi j'aime bien ça, moi! Tu me donnes 200 balles, je te la rends! Oh! Tu l'as vu? Oh, ben là, prépare-toi à cavaler alors, si tu te mets là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ah, oh. Oh, la fin. Connard. T'es trop fort, frérot. Merci. Vas-y, suis-le maintenant, suis-le. Suis-le. Où qu'il est, ce connard? Ouais, elle glisse. Oh là là, j'ai les yeux qui piquent. Pique tellement fort, j'ai les yeux qui piquent. Tiens, frère. On va aller chercher le vieux. Il est où? Attends, mais je t'ai mis un point. À droite. Attends, tu veux pas conduire? Tu veux se conduire, vas-y. Viens, papa! Monte le vieux! Vas-y, mais change de place, Stan, si tu veux que je conduis. Ouais, attends, oh oui, attends, je regarde s'il y a besoin, mais normalement. Je vais enlever mon masque, peut-être. Bah ouais! Tiens, conduis. Mais je suis là! Bah vas-y! Oh. Mets bien ta ceinture! Oui, c'est mis. Ah, on va revoir le trou de balle. Ouais, y'a un dodan ou quoi? Y'a pas un dodan ou quoi? Moi, je crois bien. T'es gentil, papa, te la prêtera de temps en temps, notre voiture. Ouais. Ah, c'est pas la vôtre, ça. Okay. Je c'est la nôtre, y'a un gars, on a sympathisé avec, il nous a dit, allez, je vous la passe, mais faites-y attention. Et après, il nous a même laissé un message sur le Twitter pour dire que ben, il était content et qu'on allait bien rire tous les trois. On est là, c'est pour les feuilles de coca. C'est on pour est les là. Feuilles de coca. Très bien conduire, toi. Attends, bouge pas. On peut la vendre, la voiture. Ah, oh, je sais pas. Moi, je referais bien une petite peinture. Je l'aime pas en vert comme ça.
Oh les copains, je vais y aller moi, je vais faire... Je crois que je vais dormir et puis je vais rêver que je vais manger, tu vois. Ben non. Je te jure. Pas déjà. Je te jure. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'achètes pas un petit... Pourquoi t'achètes pas un truc à manger et puis tu manges dans la bagnole? Ah non, parce que non. Parce que j'ai pas faim, mais je vais rêver, c'est un rêve que je vais prédire. T'es bizarre, toi. Elle va pas bien, son auto de merde. Ah, il me répond. C'est tout, je vais dormir aussi, si tu... Ben viens, on va garer sa voiture à l'autre. Oh, y'a le copain. De quoi? Attends, y'a l'autre copain d'hier. Copain d'hier. Quel copain d'hier? Quelqu'un qui m'avait donné rendez-vous, il est en retard d'une demi-heure, ce connard. Ça, ça fait plaisir. C'est quel est le copain? La voiture elle fait de chicha. Ouais elle fume, c'est normal, elle a eu une reprog. Ah c'est pas programmé, bah oui ça chauffe. Ah ouais. Où qu'il est mon pote? Ça va papa? Ça va, t'es pas bien bavard depuis tout à l'heure. T'es pas bien bavard depuis tout à l'heure. Non, d'habitude t'as une grande gueule hein. Tu sais que la vapote c'est encore c'est pareil, c'est pas bon, c'est pas bon que la cigarette. Je te jure, c'est vrai. Ok mon copain. M'avait dit que je donnais rendez-vous là. T'as dit ça quand? Ben là maintenant, sur Twitter. Ah ben c'est super. Bordel de cul. Ouais mais hein. Allez, tout le monde dit non, 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 des rendez-vous, personne y vient ou quoi? Moi j'ai faim là! Faut être patient! Au secours! Ah, le v'là! Oh, bordel, j'arrive! Non, je rigole pas sur l'avril! Je vois sur l'avril, Perrault! Qu'est-ce que t'as, frérot? T'aimes pas mes blagues? Frérot! Tiens! Mange-la, celle-là! Ah! Elle arrive, le copain, elle arrive! Quoi? Je voulais m'excuser, frérot. Ah! Tiens! Oh, portez, viens là. Non. Viens là, je te l'ai! Papa, tiens, papa! Tiens, papa! T'es un malade! Tiens, papa! Ah! J'ai fait du taco! Ah non! Regarde ta faute ce que j'ai fait. Regarde ta faute ce que j'ai fait. T'es content. Voilà. Plus jamais tu fais chier. T'arrêtes, ok. Regarde ta faute, j'ai défoncé mon frère. Quoi? J'ai regardé un tuto. C'est bon. Tu fais 30 maths. Agression. Allez, moi je veux construire les deux, bande de sac à merde. Ah, ça y est. Ah, moi je suis un tueur à cuire.
plus jamais. Papa, ne respire plus. Assez respect. Ah c'est bon, on enterre la... le hachet de guerre. Elle va se bouger le cul ou quoi? On va te défoncer ta voiture, papa. Oh, je dis, je vais pas rester longtemps, dépêche! Mais c'est pas quoi? Parce qu'il m'a dit, il arrive là! Vas-y, on allait dormir! Ah, bah, je suis fatigué, moi! Personne. Ah mon frère, rigole quand même, 30 ans. Hein. Quoi? Arrête. J'ai une chaleur, il y a le roc qui part. Vas-y, rigole ou quoi? Ouais, t'es sûr, il t'a pas menti, le monsieur? Il me dit, on va là-bas. Maintenant, il me dit, il me trouve pas. Faut de ma gueule ou quoi? Vas-y mon frère, il met 30 ans, vas-y, je dois aller manger moi. Putain. T'as vu personne? Non, j'ai vu personne. Eh? Toi, t'as vu quelqu'un? Je crois qu'il est là-bas, plein milieu de la route, ce connard! Où ça? Ah, je sais pas, il me casse les couilles, moi je vais me barrer parce que ça me casse les couilles! Oh, arrête d'être énervé comme ça, on va où? Ah bah c'est tout frérot, on va dormir. C'était une bonne soirée, c'est bien. T'as pas eu trop de problèmes aujourd'hui, c'était tranquille. Ouais.
Bah, je fous de ma gueule ou quoi? T'as dit quoi? Il me dit, t'es pas là, j'y suis! Mais je fous de moi! Ouais, t'es sûr que t'as essayé le rendez-vous? Bah, je suis certain! Mais pourquoi c'est lui qui vient pas? Ah, moi ça me rend fou. Allez, bonne nuit les enfants. Bah, t'as pas d'endroit pour dormir. Si, là-bas, t'inquiète. Eh, on se fait espionner, on se fait espionner. Y'a un mec qui me dit que je suis moche. C'est un gros connard. On est en train de se faire espionner, y'a un mec qui me dit que je suis moche. Qui ça? Le guignol, en plus il s'est gouré, il a dit à la voiture de clochard en parlant de ta voiture. Ah ben gars, là-bas, la moto, là-bas. Ah, vas-y, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ah, vas-y, nique sa mère, frère. C'est bon. Allez, hop.